This MOOC is about Northern Quebec. The approach we're going to take is to have the academic telling them what they've learned, discovered, understood. Or one of the most iconic academic in Quebec, Louis-Edmond Hamelin, a geographer, has been the first one trying to understand the North. Mon modèle, il est très exigeant. Il est exigeant sur le fait que le Nord aime davantage le Sud, que le Sud aime davantage le Nord. Et là, à partir d'un certain minimum, en fait, d'acceptation du Nord et du Sud, là, peut-être qu'il commencera à se produire un peu plus rapprochement. Rappelons simplement que pour la démographie du monde, il y a entre 1 et 2 % de la population du monde qui vit dans un climat froid. Donc, c'est quelque chose qu'on a imaginé et qu'on vit très peu. Bien sûr, cet imaginaire du Nord est construit par les cultures européennes, par les cultures du Sud. Donc, ces cultures ont transformé notre image de l'Arctique comme un monde éloigné, blanc, froid et inhabité, inhabitable. Avant d'aimer profondément le monde inuit, puis bien des Inuits, leur esprit, ce qui m'a touché, c'est l'espace nordique, l'immensité toundrique, l'espace du Grand Nord. Je pense pas que dans ma vie, il va y avoir un paysage qui va m'éblouir autant. On a tendance à penser que c'est toujours le Sud qui doit développer le Nord. Un des intérêts de ces sociétés inuites, c'est de voir toutes ces initiatives que les Inuits ont aujourd'hui le courage de prendre et qui pourraient inspirer les sociétés du Sud. The other approach we have in that MOOC is that we really want to give a voice to the Northerners, to allow them to express what are their concerns, what are their hopes also for the North, what is their vision for the North. The biggest part, I think, about well-being is in connection with the land. So that's important. But at the same time, I think it's important that if there's to be a development, to find a balance. I see our communities being developed. I see our people being more educated because there is more hope now. They see the opportunities. They see a reason why they should get training, why they should go to school. C'est l'existence même de la nation Inuit. La chasse au caribou, qui a nourri des familles, qui a nourri nos ancêtres, qu'on a raison d'être ici aujourd'hui. Okay? Évidemment, avec la transition des temps modernes, avec l'évolution, la technologie des plans nous a amené aussi à nous assimiler vers ça. Hein? Donc, comme moi, je vais être peut-être un chasseur comme mon père.